À partir de 1930, il existait un code de censure qui avait été voulu par les ligues de vertu, qui avait été imposé aux grands studios qui dominaient Hollywood à l'époque par les ligues de vertu. Et donc ce code existait, mais il n'était pas appliqué, ou plus exactement, son application n'était pas surveillée par une administration particulière. Il y avait bien un petit bureau qui était chargé de surveiller ça, mais il était sans réel pouvoir. Et donc, évidemment, les producteurs, et plus encore les cinéastes, les scénaristes et les acteurs, s'en sont donnés à cœur joie. À partir du moment où il existe un code de censure qui n'est pas vraiment, dont l'application n'est pas vraiment surveillée, il est extrêmement tentant de le détourner. Et donc, on a une période du cinéma américain qui est connue comme la période pré-code, c'est-à-dire que le code disait bien tout ce qu'il ne fallait pas faire, mais comme rien n'empêchait de le faire, ben, les cinéastes s'empressaient, bien entendu, de le faire. Alors, ils le faisaient d'une manière un peu détournée, ils le faisaient souvent avec des répliques à double sens, ils le faisaient parfois avec des images un peu allégoriques, mais de toute façon, ils le faisaient. Et à la fin, les films de la période pré-code sont des films qui sont d'une liberté incroyable. Ce sont des films qui sont très souvent en avance sur leur temps, qui sont des films qui prennent à la fois énormément de liberté par rapport aux conventions. Ce sont des films qui sont aussi extraordinairement subversifs. C'est une période du cinéma américain qui est assez merveilleuse. Alors cette période, pendant très longtemps, elle a été engloutie. Pourquoi a-t-elle été engloutie? Parce que à partir du moment où le code n'était pas respecté, les ligues de vertu, qui sont extrêmement puissantes aux États-Unis, ont protesté et elles ont même obtenu que beaucoup d'Américains menacent de boycotter le cinéma. C'est ainsi, par exemple, qu'on a 7 millions d'Américains qui, au début des années 30, sont allés dans les églises et qui ont promis de ne plus aller au cinéma. Et là, les studios ont pris un petit peu peur parce qu'ils se sont dit, bon ben voilà, on a un code, on ne l'applique pas, les ligues de vertu sont furieuses et on va finir par avoir un problème. Ils avaient presque peur que le cinéma soit interdit comme l'alcool avait été interdit à l'époque de la Prohibition. Donc il y avait vraiment de très grandes menaces qui pesaient sur le cinéma. Time for the vodka. Take my hand. Thank you. Vodka? That's a Russian hooch, ain't it? It is a devastating Russian liqueur. What's she putting that out for? It was the custom of Catherine the Great to serve vodka to her soldiers to fortify their courage. À partir de 1934, les studios se sont cotisés pour financer pendant plus de 30 ans une administration qui s'appelait la Production Code Administration et qui était chargée de faire respecter le code de censure. Alors ce code de censure, la Production Code Administration surveillait son respect lors de la création des scénarios, donc elle mettait un tampon sur les scénarios. Ensuite, il y avait un envoyé de la Production Code Administration qui surveillait le tournage. Et enfin, le film final devait être visionné par la Production Code Administration. Et c'est uniquement quand ces trois étapes avaient été franchies que le film avait le sésame de la censure. Et seul le sésame de la censure lui permettait d'être distribué dans les grands réseaux. Il était possible de distribuer un film qui n'avait pas ce tampon, mais sa carrière était confidentielle. Et d'ailleurs, très souvent, à défaut d'être censuré, il était interdit par les autorités des différents États qui se méfiaient parce qu'ils avaient vu que le film n'avait pas obtenu le tampon de la censure. Hey, where'd you get that? Looks like somebody took a swing at you. Oh, a chauffeur at the place where I work got fresh. He socked you? On the level? Well, not exactly on the level. From a way down here someplace. Boy, the dirty. I'll get him. What do you mean? Say, listen. I know a couple of guys who'll do it as a pleasure. You wouldn't do anything like that. I don't do a thing. But tell a couple of guys I don't like this bozo. Anyhow, you don't know who he is. All you got to do is tell me who he is. I should say not. I didn't want you getting in a jam over me. There's nobody I'd rather get in a jam over. Well, maybe there's nobody I'd rather keep out of a jam. Honest? Maybe. Ce qui est intéressant, c'est de regarder un peu quelle est l'histoire de ce code de censure. On l'appelle communément le code ACE.
Alors pourquoi? Parce que les studios américains, donc à la fin des années 20, sont allés chercher pour le rédiger un ancien ministre des PTT qui s'appelait William Hayes et qui était presbytérien. Donc les presbytériens donc, sont des protestants et malgré tout, dans l'Amérique de l'époque, ils étaient un petit peu moins rigoristes que les catholiques. Mais le code lui-même a été rédigé par un père jésuite catholique et par un éditeur qui était catholique aussi. Et donc ce code, il est extraordinaire parce qu'il donne une vision de la société, il oblige les films à transporter une vision de la société qui est vraiment une vision d'un conformisme incroyable. Il dit même que la chambre à coucher doit être représentée avec bon goût. Ça veut dire en gros que dans beaucoup de films américains, pendant de longues années, vous aurez toujours deux lits dans la chambre à coucher, car il n'est pas correct de suggérer qu'un mari et sa femme couchent ensemble. Bon, c'est quand même extrêmement limitatif. Vous allez avoir toutes les relations qui ne sont pas conventionnelles dans l'Amérique de l'époque, qui sont interdites. Il n'est pas question de représenter, ni même d'évoquer de quelque manière que ce soit l'homosexualité. Les mariages interraciaux sont formellement interdits. La prostitution ne peut pas être mentionnée. La représentation des esclaves est interdite lorsque les esclaves sont de race blanche. Par contre, lorsque les esclaves sont de race noire, vous pouvez les montrer, ce qui est quand même incroyable, parce qu'il y a aussi la ségrégation au cœur de ce code. Il est interdit de jurer, il est interdit de blasphémer. Et puis, il y a une idée qui tourne autour du crime, qui est qu'on peut montrer le crime, mais il doit être puni. Il doit toujours y avoir l'idée que quelqu'un qui transgresse la loi, et plus généralement la morale, quelqu'un qui passe outre tous les interdits que je viens de citer, doit être puni. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que quelques années plus tard, les auteurs du film noir s'engouffreront dans cette idée. Ils diront, bah, puisque le vice doit être puni, on va montrer des films dans lesquels il y a beaucoup de vices, mais à la fin, les gens seront punis. La période pré-code, c'est un peu différent. Les gens qui font les films de l'époque pré-code prennent un peu tous les textes du code ACE, puisque finalement, il va s'appeler le code ACE, et il s'amuse à transgresser ces articles sans avoir forcément l'air de les transgresser à la lettre. Il y a une espèce de façon de passer en permanence à tabac l'esprit du code ACE sans forcément en transgresser toujours la règle. Alors, ce qui va se passer, donc, c'est qu'on a ce code ACE qui est en vigueur à partir de 1930. Et donc, début juillet 1934, c'est la Production Code Administration qui rentre en vigueur. Et là, donc, on a Joseph Breen, qui est un catholique très rigoureux, qui va être chargé de surveiller lui-même toute cette production hollywoodienne. Et là, les films vont changer. C'est-à-dire que ce vent de liberté extraordinaire qui avait soufflé pendant la période pré-code va disparaître. Il y aura encore de très grands films, mais il faudra vraiment passer par des biais beaucoup plus conventionnels pour faire du grand cinéma. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que pourquoi le cinéma pré-code passionne-t-il les cinéphiles de cette manière-là ? C'est parce que, finalement, il avait disparu. Il avait disparu parce que à partir de l'entrée en vigueur de l'administration Breen, en 1934, les studios ont fait disparaître les films. Il y a eu une liste de films qui a été faite, qu'on n'avait plus le droit de montrer. La plupart des films qu'on peut voir dans la sélection de films OTV sont des films qui ont disparu purement et simplement des écrans à partir de juillet 1934. Certains ont pu avoir une espèce de carrière assez triste finalement, en étant modifiés, en étant privés de tout ce qui les rendait sulfureux. Par exemple, il y a un film célèbre qui est « L'adieu aux armes » de Borzegui. Donc ce film a été amputé d'à peu près toutes les scènes intéressantes. On a mis à un moment une espèce d'anneau de mariage en surimpression pour faire croire que les deux héros étaient mariés. Enfin bon, il y a eu quelques films comme ça qui ont fait une carrière.
Tarzan a été un peu transformé et coupé. Enfin, il y a eu plein de, il y a eu plein d'avatars. King Kong a réussi à survivre. Bon, voilà, il y a quelques films typiques de l'ère pré-code qui ont réussi à passer par le chat de l'aiguille. Mais les films les plus osés, dont ceux qui figurent dans la sélection qu'on peut voir ici, n'ont pas réussi à franchir cette étape. Certains ont disparu. Il y a par exemple un film mythique de l'ère pré-code qui s'appelle Convention City, qui est apparemment le plus osé de ces films, avec deux actrices qu'on voit d'ailleurs dans la sélection, John Blondell et Maria Storr. Et donc c'est l'histoire de cadres en goguette dans une grande ville et qui évidemment commettent toutes les turpitudes adultérines que le code ACE voulait proscrire. Where's the key to that door? Wait a minute. Open that door, do you hear me? Now wait, will you? Say, I like you. I've been drinking, that's why I get sore. Oh, I didn't mean nothing. You got me all wrong. Come on. Listen, Danny. I'm in this business to get all I can out of it from you or from anybody. Sure. For years I lived in a rough little burg upstate. My mother, my kid sister, and me. Mom used to scrub floors and offices. We never had anything. Sometimes we didn't even have enough to eat. When my kid sister was 15, she got into trouble. Couldn't even pay for a doctor. She died. The city had to bury her. As soon as I was old enough, I quit school and got a job in a laundry and worked with a bunch of ignorant foreigners. I got fired because I wouldn't let a filthy old muzzler put his hands on me. And then my mother died. After that, I got a job in a dance hall to buy the stuff I got on my back. And then I started learning tricks. Here I am. I know all the answers, and I know what it's all about. I found out that the only thing worthwhile is dough. And I'm gonna get it, see? Les années les plus sévères du code ACE, c'est vraiment les années qui suivent son entrée en vigueur. Petit à petit, il va y avoir un certain nombre d'affaiblissements du code ACE qui vont arriver. D'abord, il va y avoir la guerre. Parce que la guerre, elle montre forcément, les gens sont confrontés à travers elle à des situations qui ne sont pas des situations idylliques. Donc un code qui montre une espèce de société ultra rangée fonctionne forcément moins bien et les entorses qu'on y fait sont forcément plus légitimes. En plus, il y a des soldats qui sont en campagne, donc il faut quand même s'occuper du moral des troupes. Donc le fait de représenter des scènes un petit peu aigriardes devient presque une nécessité de salut public. Et donc à la Production Code Administration qui veut restreindre toutes les libertés et toute forme de gauloiserie, les studios opposent quand même de temps en temps la nécessité, voilà, d'entretenir un peu le moral des troupes. Après, il va y avoir le film noir qui est quand même une manière de tordre le code. Et puis il va y avoir dans les années 50 des films sociaux, notamment des films produits par Zanuck, qui vont commencer à, là encore, à enfoncer un coin, parce que il y a eu le néoréalisme italien, que le cinéma américain a quand même l'ambition de montrer des situations réalistes. La société est différente, le pouvoir des ligues de vertu n'est plus le même, et donc petit à petit le pouvoir du code ACE s'effiloche un peu, mais la Production Code Administration va continuer jusqu'à sa dissolution en 1966 à faire son travail avec une rigueur de métronome. Et il y a par exemple une interview, je crois, de 1964 de Raoul Walsh dans Les Cahiers du cinéma, où il est en train de tourner un film et où à un moment il dit « voyez, il y a toujours les gars de la Production Code Administration qui sont là, qui me surveillent, donc je ne peux pas faire ce que je veux. C'est quand même incroyable, on est en 64 et je suis toujours surveillé ».